ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. Coucou tout le monde, donc on va regarder ce qu'on peut nous dire sur... Je vais utiliser le tarot Grange sur l'Europe. Hein, on va regarder vite fait ce qu'on peut nous dire sur l'Europe pour le mois de juin. Je vais prendre le livret parce que chaque tarot est différent. Il y en a que non, mais il y en a que oui. Hein, donc, je préfère fonctionner comme ça. Donc le tarot Grange, ensuite je vais utiliser l'oracle de Laura, si j'ai pas assez d'informations, et l'oracle, le grand oracle français, ben parce que tout simplement parce qu'il parle très très bien. Donc je suis encore tombée sur des informations de dingue, voilà, donc on va voir ce qui se passe pour... pour l'Europe, pour le mois de juin. Ok les amis, bon. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de juin, pour l'Europe. Donc, bah tiens, on va faire une coupe. Donc, ouais, le jeu, je l'ai retourné, donc je vous montre. J'ai le pentacle, l'as de pentacle et le 9 de pentacle pour le mois de juin, pardon, en Europe. Alors, le 9 de pentacle et l'as de pentacle. Donc, on nous parle enracinement, ressources matérielles, stabilité. On nous dit pour le moment que, au niveau des ressources, pour le moment, il y a encore ce qu'il faut. C'est stable encore. Et. Au-delà de ça, on nous dit qu'on a aussi de l'autosuffisance et de l'indépendance matérielle, espace créatif. Le 9, pardon. Et que là, on peut subvenir à nos besoins. Donc, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que on peut y arriver. Mais en gros, on est en train de nous faire comprendre qu'ils veulent partir de peut-être de l'Europe. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de juin pour l'Europe. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. Là, on nous parle de projets à long terme, début d'une aventure, exploration. Donc, on nous parle d'un projet à long terme. Ok? Là, on a le magicien. On apprend à prendre des risques et à se débrouiller, à créer des masques qui agissent à l'envers et des masques au lieu de protéger. J'ai lu ce que je me sentais de lire, je sais pas pourquoi j'ai lu ça, mais bon. Donc on nous parle de démasquer déjà. Ok. Ensuite on a la grande prêtresse. On nous dit on devrait apprendre à dire non. Disent les premières lignes de Violet de Hall. On devrait apprendre à dire non. La baguette, le 9 de baguette que j'avais eu hier. Résilience et s'approcher du but. Là, hier, j'avais dit, enfin, ou sur la vidéo précédente, selon comment je vais le poster, qu'il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient et qu'il fallait vivre dans l'instant de l'étincelle créative. Et le 7 de baguette, on nous dit défense, conscience de soi, fermeté, persévérance. Qu'il faut continuer à persévérer. Donc, on va compléter avec l'oracle...
le grand oracle français sur la première lame. Hein? Donc, on nous parle d'un projet à long terme. Donc, on a le refus. Hein? On a le refus et le rejet. Donc, il veut mettre en place un projet à long terme. Mais il y en a qui n'en veulent pas. Et on a le gargouille, c'est la crainte et l'hésitation. Ils ont des craintes hein, face à leur projet. Ensuite, sur le magicien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le magicien? On parlait de masque, il fallait apprendre à être démasqué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le magicien? Merci énergie de l'univers pour l'Europe. Alors, on a la barrière, l'obstacle et la difficulté. Et on a le corbeau. Et là, ben, la théorie de la compote et la médisance. Et on a l'intuition et le ressentiment, le pendule. Donc on nous dit que en gros parce que moi j'ai lu par rapport à ce que chantaient les masques, on nous dit qu'en fait ils ont fait les cons, ils auraient pas dû peut-être nous les retirer hein, parce que ça va être difficile de nous les remettre et de revenir en arrière. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la grande prêtresse? Bon, on nous disait qu'il fallait savoir dire non de temps en temps. On a l'enrichissement et la rémunération, le blé. Alors, il y a des gens qui se sont enrichis par rapport à tout ce qui se passe. Il y a des gens qui se sont enrichis. On a la mère, le père qui ressort. Alors la terre-mère peut-être. On a l'évêque, l'autorité, la hiérarchie. On a quelqu'un de très puissant qui s'est enrichi par rapport à ceux qui ont dit non. Alors je pense que c'est l'Europe qui a dit non à la Russie. Mais la Russie s'est enrichie. Et là, on a le feu et l'ennemi et l'adversité. Donc, la hiérarchie s'enrichit sur eux. Et donc, les mauvais vont nous amener à la perte et le vol. Oui, ben oui, nous volent. Donc, voilà grosso modo ce qu'on peut nous dire pour l'Europe pour le mois de juin. Mais c'est pas top. Hein. Sur le 9 de baguette, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur le 9 de baguette. Alors, sur le 9 de baguette, on nous dit résilience, s'approcher du but. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur résilience et s'approcher du but pour l'Europe, pour le mois de juin. Ah. Oh là là. On a le chemin, le présent et la vie actuelle. Donc actuellement, concernant la fertilité et le développement des champs. On a une fatigue, une lassitude. Donc on nous dit que ça, apparemment que ça va être compliqué. Ensuite on a le pain, le confident.
On a le lièvre, la fuite et l'échappée. Donc, il y en a qui vont prendre la fuite. La fuite du projet, parce qu'il va y avoir des litiges et des jugements. Nous avons la balance. Et les racines. Famille et parenté. Donc, je regarde si par rapport à ces cartes, j'ai des chiffres qui retombent là. Ouais. On nous dit que qu'il y a quand même des choses enracinées. Hein. Donc, qui fait que ben ils vont nous mener à notre perte. Hein. S'ils veulent se résilier, ils vont laisser tomber. Mais pour le moment, voilà. Là, on nous parlait de donc la baguette. Le 8 de baguette. Et le 7 de baguette. Donc le 8 de baguette, on nous parlait de bonnes nouvelles. Et défense de soi et persévérance. Donc là, on va voir ce qu'on peut nous dire sur les nouvelles. Pour le 8 de baguette, pour l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, visiblement, ils vont nous mener à des gros soucis. Hein. Proposition, opportunité. Il va peut-être y avoir des ouvertures. On va remélanger. Bon, je vais prendre celle-là. Donc, l'hôpital. Providence, protection. On a des ouvertures sur l'hôpital. Il y a des choses qui vont être peut-être révélées ou se passer. Peut-être qu'ils vont réintégrer certaines personnes. Certaines personnes vont gagner. Mais ça prend de la lenteur. Mais il y a quand même la protection. Le fagot, c'est l'association, la solidarité. Oui, il y a des gens qui vont peut-être faire d'autres choses. Qui vont travailler toujours ça, mais créer des hôpitaux, peut-être des cliniques différentes. Je sais ce qui se passe, c'est pour AHSI, hein, soigner heureux, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas forcément un hôpital, mais ils ont quand même de bonnes structures. Et on a le pissenlit, l'instabilité et la fragilité. Oui, on nous dit que tout ça, c'est fragile. Il va y avoir des nouvelles concernant tout ça, mais c'est fragile. Ok, et concernant ben, qu'il faut tenir bon, qu'il faut continuer à tout ce qu'on peut nous dire. Pour le mois de juin, pour l'Europe. Donc, on nous parle de... de ruines. Faillites qui vont arriver. Ruines de certaines fortunes. Et héritages. Pourquoi on nous parle de ça? Je vais compléter quand même, c'est fou pour moi. Sagesse, méditation. Ouais, donc on nous parle de la ruine de nos richesses en fait, à nous. De nos fortunes à nous, au peuple, à l'Europe. Mais on nous dit de faire les choses, de prendre les choses cool. On nous parle de sécheresse, de privation et d'insuffisance. Oui, ben, apparemment, ils ont acheté. Ouais, quand on s'enseigne, c'est un peu ça.
nous préparent un été très très chaud. Et on a l'exaucement, la lanterne et l'accomplissement. Donc il y aura quand même. Donc ça va s'accomplir quand même. Hein. Mais. Ouais, il y a des choses qui vont se passer quand même. Je vais voir avec l'oracle. L'oracle. De la triade, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la première lame? L'ordre. Il y a des gens en Europe qui veulent peut-être pas forcément qui veulent pas l'ordre de du projet. Ça nous le dit, enfin, c'est ce que ça me fait comprendre. La deuxième lame. Alors, la deuxième lame, on a l'adversaire. Ouais, ça comprend. Donc, on, par rapport au masque et tout ça, l'adversaire. Il continue à faire son bout de chemin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, ben oui, ils volent, donc forcément, ils ont encore des richesses. Hein. Et mes designs, ben oui, ils demandent à tout le monde. Bon, ils vont avoir des richesses pendant encore un certain temps. Ok. Ensuite, pour la deuxième lame, donc on nous disait que des fois, il fallait savoir refuser. On a la prière. Donc, la prière, c'est. C'est supplier, c'est demander de l'aide. On a beaucoup de gens qui demandent de l'aide par rapport à tout ce qu'il va y avoir, les pertes et tout ça. Mais il va y avoir les foudres. Donc, pour le moment, on n'aura pas d'aide. Parce qu'on s'attire les foudres. Alors, je vais demander pourquoi on a les foudres. Les foudres sur l'homme. Mais encore. Le choix. On a le choix. Les racines. Bon, on nous parle du plan. On a le choix de dire oui ou non. De ce qu'ils veulent. Ok, ensuite, là, pour cette lame, où on avait beaucoup de choses, hein. Qu'on vous ait comprendre par rapport au, voilà, au développement. Ouais, qu'on allait avoir beaucoup de. Et des gens qui allaient peut-être prendre la fuite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur tout ça, sur cette lame? Waouh! Bon, et ben, on nous reparle encore de lumière sur beaucoup de choses. Et deux voyages, donc encore des gens qui voient, il y a des gens qui vont prendre la fuite en Europe, qui vont prendre un bout d'escampette. Donc sur le 8 de baguette, qu'est-ce qu'on peut me dire? La mort. La mort de quoi? Oui, la mort et donc la naissance et le mensonge. Ah! Donc ils vont encore nous faire une entourloupe, ils vont nous inventer encore quelque chose. Non, c'est pourquoi. Mais soit j'en ai un commencement et la science.
le silence, pardon. En fait, il y a un nouveau commencement qui va se faire en douceur. Un nouveau cycle. Bon. Malgré la fragilité des choses en Europe, il y a... Ouais, et j'avais l'ouverture là. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à... au set de baguettes? Le sceau, on a la protection quand même. Ok, donc on nous parlait de ruines là, de richesse, de sécheresse, de voilà. Donc on a quand même la protection, on a la bénédiction. Ah ben oui, ça fait beaucoup. Hein. Face aux erreurs, l'amour et l'éternité. L'amour est éternel. Affection. Comme si on pardonnait certaines choses, mais... Pourquoi l'éternel est l'amour? Je vais demander pourquoi l'éternel est l'amour. Oui, c'est l'initiation, l'éternel est l'amour. C'est peut-être apprendre de nos erreurs. Hein, et c'est ça, parce que en fait... eux, ce qu'ils font, c'est que du contrôle mental. Ils ont fait une guerre là-dessus. Une guerre sur le contrôle mental. Je vous invite à chercher tout ce qui est MK Ultra, la propagande, la théorie de coercition de Biedermann. Enfin, il y a plein de choses, il y en a d'autres que je pourrais citer, mais bon, voilà. Donc, on va faire un... On va demander un résumé pour l'Europe au mois de juin. Bon. Résumé pour l'Europe pour le mois de juin. Une petite synthèse pour l'Europe pour le mois de juin, s'il vous plaît. Petite synthèse pour l'Europe pour le mois de juin, s'il vous plaît. Le bain, rencontre, rendez-vous. Pourquoi? Mois de juin. En synthèse. Donc, je prends des cartes qui se sont retournées. Donc, on a la Vierge, c'est le pardon et la réconciliation. On a la médaille, c'est l'honneur et la reconnaissance. On a la mouette, c'est le départ et le voyage. On nous parle encore de départ et de voyage quand même là. Donc clairement, ben, y en a qui vont prendre la poudre d'escampette. Hein. Dernière petite synthèse par rapport à l'Europe au mois de juin. Il y en a qui vont faire leur valise alors. Une méditation. La méditation. Ouais, ben, on nous dit de nous concentrer sur nous-mêmes, sur sur
c'est notre force, notre vitalité. Il faut faire les choses comme ça. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis ou un bon début. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous fais plein de bisous, bisous. Ciao, ciao.